Abstinence sexuelle, avantages et inconvénients. Bonsoir famille, j'espère que vous portez bien. Je suis Liana Wassiré et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'abstinence sexuelle et son impact aussi bien positif que négatif sur la santé. Comme vous le savez, il peut arriver qu'à certaines périodes de votre vie, vous vous retrouvez à devoir passer quelques mois, voire quelques années sans avoir des relations sexuelles. Ne pas faire l'amour de temps en temps peut arriver à n'importe qui. Le premier avantage, l'abstinence sexuelle est un moyen de contraception naturelle qui n'aura aucun impact ni sur votre corps ni sur votre cycle menstruel. Le deuxième avantage, autant que le préservatif, l'abstinence vous protège des différentes maladies sexuellement transmissibles. Troisième avantage, vous abstenir vous permet de conserver la fraîcheur et la beauté de votre corps à l'état pur. Parce que comme vous le savez certainement, il est très facile de distinguer une femme pure d'une femme sexuellement usée simplement à la vue de votre nudité. Quatrième avantage, eh bien, c'est le côté spirituel. Vous abstenez, vous protège contre tout esprit malin qui utilise l'acte sexuel comme porte d'entrée dans votre vie. Là, c'était quatre avantages de l'abstinence sexuelle. Mais une période importante d'abstinence sexuelle a également des effets sur notre santé mentale et physique. Il s'agit entre autres de la baisse de la libido. Pendant l'acte sexuel, le corps produit des hormones qui provoquent en vous une sensation de bien-être. Quand ces hormones ne circulent plus dans le corps, vous aurez de moins en moins besoin de sexe et votre libido va diminuer. Deuxième conséquence, c'est le manque de confiance en soi. Le sexe a des propriétés anti-déprime et vous aide à vous sentir désirable. Une longue période d'abstinence peut donc mettre votre estime de vous à rude épreuve. Troisième conséquence, la fragilité de votre système immunitaire. Une longue abstinence fragilise votre système immunitaire et vous expose aux maladies les plus courantes. Vous remarquerez même que vous tomberez plus fréquemment malade que d'habitude. Quatrième conséquence, celle-ci ne concerne que les hommes. Il s'agit des troubles de l'érection. Chez les hommes, l'abstinence peut provoquer des dysfonctions érectiles. Tout comme les exercices physiques préservent les capacités athlétiques du corps, les relations sexuelles préservent les capacités érectiles du sexe masculin. Voilà, nous sommes au bout de cette vidéo et je pense que maintenant, vous connaissez les avantages ainsi que les inconvénients de l'abstinence sexuelle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. J'ai hâte de vous retrouver avec un nouveau thème. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et à la vidéo prochaine. Bye bye!